J'aurais dû me curer le pif. J'ai essayé de faire des trucs de façon à m'aider. Coucou princesse! Bon, je vais lancer tout doucement. Voilà, tout doucement. Bon, c'est pas ça que je veux faire. J'ai préparé la liste des jobs. Je mettais une macro pour ça. Mais bon. Donc comme tu peux le contester, constater la liste des jobs. On a un peu avancé pendant que t'étais pas là. Donc je prépare ma petite liste des jobs tout gentiment. Ça laisse le temps aux gens d'arriver parce que vu que j'ai besoin des gens. Voilà, j'ai fait ma liste. Je vais vérifier un truc vite fait sur Nightbot. Parce que depuis la dernière fois, il a été reset. Donc je dois lui reconfigurer les giveaways. Oh, tant que ça. Mais je fais bien d'aller sur Nightbot. Au pied, Nightbot. Allez au pied. C'est bien gentil Nightbot. On va avoir besoin de toi, donc je t'en prie, ne plante pas. Voilà. Merde.
Fuck. Voilà. Et on fait ça. Et voilà, et là on s'en sort. Là on s'en sort, là on y arrive. Bon, il est 30, je vais quand même lancer, même s'il n'y a pas encore grand monde, c'est pas très grave. Le premier choix est toujours un peu chaotique. Donc, voilà la liste des classes que je possède. Et donc, qui sera le grand gagnant? Et je pense que ce sera toi, ma chère Sinaël. Attends, Nightbot va crever. J'ai justement modifié les options pour qu'il ne puisse plus faire ça. Alors, si je fais ça, est-ce que si je fais ça, ça marche mieux? Non. Nightbot, tu es chiant. Si je vire toutes les options pour qu'il arrête de faire chier. Bon, en tout cas, toi qui choisis déjà. On va commencer comme ça. Donc tu choisis le dragoon. Et alors... pas con lui donner learning. Non, j'ai juste refaire des petits tests de Nightbot. Donc si je fais ça, ça me semble cohérent. Jusque là ça va. On va tenter comme ça. Donc ma chère Sinaël, le suivant. Et que toi, personne d'autre n'est là de toute façon. Et les absents ont toujours tort. Dancer. Quelque chose qui me dit que ça peut être une bonne idée. Je sais pas du tout ce que ça fait, Dancer. Hein. Je précise. Voilà, là on est toujours dans le cohérent. White Mage, merci de ne pas oublier de healer. Donc... je vais mettre de la magie noire, hein, tant qu'à faire. Surtout qu'il n'est pas dégueu en magie noire. Et enfin, le dernier. Grande chance que ce soit encore toi. Jusque-là, tout est normal. Ninja. D'accord. Il est où, mon ninja? Il est là. Ça, c'est le ninja bleu. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre ça, c'est pété sur un ninja. Alors, je vais quand même faire le petit résumé des épisodes précédents avant de commencer. Donc, on venait de récupérer le cristal de terre qui avait explosé en morceaux. Suite à ça, Galuf était reparti dans son monde pour combattre... l'infâme ex-death. Et donc, Faris, Lena et Pulps ont décidé de le suivre courageusement. Et se sont donc retrouvés prisonniers de ex-death. Galuf est allé les sauver. On a traversé un pont. Ex-death a lancé son bouclier. Et on a été expulsé, éjecté à l'autre bout du monde. Coucou Fantasma!
Donc voilà, on en est à avoir éjecté, à avoir été éjecté à l'autre bout du monde, c'est-à-dire bah ici. C'est assez simple. On est au bout, en haut du monde, à peu près. Et le monde, il est grand, mais c'est plus le premier monde, on est dans le deuxième monde. Ça me semble pas con. Écoute, tu es un dragoon, tu fais ce que font les dragoons, c'est-à-dire sauter. Merci ma pupuche. Donc je me fais livrer un magnifique mocha. T'as fait du chocolat normal ou du chocolat aromatisé? Ah bah attends, parce que... Cerise? C'est une bonne idée en même temps. Regardez si elle avait fait des dégâts. Ah si, ça en avait fait. Mais donc voilà. On avance tranquillement à 61 FPS. On va essayer de trouver une ville déjà. Ça semble pas trop stupide comme idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que dans la mesure où il n'y avait que Sinaël de présente pour la première team, genre aux alentours de 1 heure de jeu, je remettrai en jeu l'équipe. Parce que comme ça sera plus sympa, tout le monde pourra participer. Alors. Ok, Tornado, ça a servi. Faudrait peut-être que je regarde ce que font les danses, tant qu'on y est. J'ai jamais regardé ce que ça faisait, je sais même pas si j'ai des danses en fait. Ok, c'est pas terrible, hein. On va faire danser le perso quand même, histoire de dire, parce que c'est fun. Ouais, build-up sur un ninja, c'est quand même assez violent, hein. Ça fait mal, pendant que j'ai des pompons qui m'embêtent. Donc je vais mettre les pompons de l'autre côté du mois. Sinon, comment ça va les gens? Alors, je suis ici, donc de toute façon, a priori, en haut, il n'y a rien, on va continuer à aller tout droit. Oh, une ville! Je vais donc rentrer dans la ville. Bienvenue dans le village de... J'ai même pas lu le nom. Il y a un pub. Faut aller dans le pub. Il n'y a pas de piano, ça craint. Coucou Willou, comment ça va? Ah, il y a pas grand monde ici. Coucou, Grand Shepard. Oh, Galuf qui s'en va. Galuf, lâcheur, mon Dieu, c'est un instant scénar. C'est pour ça qu'il n'était pas payant. Pour ça que la nuit à l'hôtel n'était pas payante. Coucou, Tisha. C'est parce qu'on était obligé d'y aller. Attends, j'ai repris le contrôle? Non. Donc je peux continuer à boire à boire mon mocha. Et voilà, plus mocha. Il était bon.
Donc il est en train de se beurrer la tronche à la taverne. C'est pas sérieux ça. T'es censé sauver le monde, mec. T'es censé sauver le monde, pas te beurrer la tronche comme un je me beurre la tronche. Très sérieusement, quoi, c'est... Non. Et c'est reparti. Alors, donc du coup, comme c'est parti, on va commencer par aller faire le plein de magie. Qu'y a-t-il comme magie à acheter? Là, il y a des magies sympas. Ah! Alors, je l'ai déjà, c'est pour ça. On s'en fout si je l'ai déjà, c'est pas grave, hein. Et donc a priori, il va falloir farmer un peu quand même pour se stuffer. Pour se stuffer, il faut farmer. C'est une devise de RPG. Si, si, je vous jure, pour se stuffer, il faut farmer. Donc, allons farmer. Les choses me disent que ce combat, il va me faire chier. C'est pas terrible, terrible, hein. Alors, si j'ai bonne mémoire sur eux, faut pas que je lance bio. Ok, bah des bisous Willou et merci d'être passé. Ça m'a fait bizarre de pas te voir ce matin. Ça s'appelle un RPG japonais, quand Shepard. C'est juste tellement chiant. Comme combat. Bah oui, il y a toujours stream le matin. C'était du NecroDancer ce matin. Ce matin, c'était NecroDancer. Demain matin, ce sera Zelda Link's Awakening. Tellement chiant ces mobs. Coucou Koala, comment ça va? Coucou Chris Cat aussi. Eh bah tout le monde arrive. Pas relou ce combat. Ah, je sais pas, je trouve qu'ils sont quand même bien pétés dans celui-là. Bon, fatalement sur ces mobs-là, ça se voit pas trop. Putain, mais ils veulent pas mourir. Hein. Ils ont combien de HP ces trucs? Tellement l'infini du relou, quoi.
Ouais, donc toi carrément, des fois tu montes à 62 FPS et des fois tu descends à 54. D'accord, t'es là depuis le début. Ouais, mais d'ici une petite demi-heure, je pense que je relancerai pour quand même vous donner à tous une possibilité de mettre vos doigts dans la team. Cette phrase est à ne pas sortir du contexte, hein. Toi aussi, viens mettre ton doigt dans ma team. Un peu plus, tu voudras mettre ton doigt dans ma team? C'est quoi ce regard? C'est tellement atterrant cette façon de le dire. Bah, faut que je fasse gaffe, y'en a qui sont à moitié morts là. On va faire un peu de régène, hein. Cacahuète. C'est une très bonne réponse. J'ai même pas vu les HP descendre en fait. C'est bon, tu meurs? Merci. C'est tellement relou ces mobs. 5000 en plus, ça rapporte que dalle. Bon, j'ai encore pas mal de magie, donc on va continuer. Merde! Ça c'est un fail. C'est un magnifique fail. C'est un fail de compète. Je le sens tellement pas ce combat. Coucou Pupus! T'étais caché? Est-ce qu'ils veulent bien arrêter de me taper? C'est méchant. Voir des météores, hein, n'oublie pas les météores. Là, on pourrait quand même régène. On continue à régène, hein. Je suis tellement pas la team pour ces combats-là, quoi. Je savais que t'allais faire cette blague. C'est une obligation. On va continuer à soigner, hein, mais là normalement c'est bon. Oui, c'est bon. Ah bah y a plus des masses de magie du coup dans le magicien. Hein. Le magicien, il a plus des masses de magie. Non, faut toujours passer faut toujours passer à l'auberge avant. Hein. Toujours passé à l'auberge et refaire une jeunesse, cette blague était pourrie. Donc on va farmer parce qu'il faut quand même que je m'achète du stuff, bordel de cul. Parce que quelque chose me dit que si je sors de là en étant à poil, ça va pas le faire.
Je suis déjà Oum. Oh mais... J'avoue ne pas avoir saisi. Alors... Je crois que tu as fait bip. Ah oui, là, il y a des nouvelles armes. Il y a patate de nouvelles armes. C'est qui peut équiper ça? Bon. Donc, concentrons-nous sur acheter des nouvelles armes. Voilà. Ouais, c'est... C'est pas de la petite nouvelle arme. Oui, en effet, c'était déjà Out of Mana. Hein. Voire même Out of Secret of Mana. Ah, c'est bien, c'est un combat un peu plus intéressant celui-là, enfin. Un peu plus intéressant, un peu moins chiant, je pense, peut-être. J'ai rien dit. Ah si, je peux peut-être me les faire avec Bio. Merde, pourquoi est-ce que j'en ai tapé qu'un avec Bio? Ouais, c'est vrai, je crois que je peux... Ouais, c'est... Pratique, Bio. Donc on va quand même essayer de s'en sortir. Est-ce que ça, ça marche sur eux? Ah ouais, ça, ça marche en fait. Pourquoi est-ce que je me faisais chier? Ah, j'ai vérifié un truc et j'ai bien fait de le vérifier. Ah ça, ça va être bien aussi. Non, on parle pas d'écho ici, hein, s'il vous plaît. La pièce est relativement bien faite, il n'y a pas d'écho. Les fils qui se coincent. Donc note, évitez les combats dans la forêt. Les combats dans la forêt sont chiants. Évitez les combats dans la forêt. Il y en a un qui vole. Je suis assez normal. Ça va être efficace. Oui, si tu veux. Ah, il a dû être empoisonné. Alors, note pour plus tard, on ne voit pas quand un ennemi est empoisonné. Ça ne se voit pas. C'est... Oh non, mais pas ce combat. J'aime vraiment pas ce combat. Fuck. Il se passe des choses bizarres sur ce chat. Vous êtes étrange parfois.
Alors, a priori, il y a quand même du régène à faire là. Ouais, des dealers de drogue, totalement. Donc ceci est un combat sur la plage. Parce qu'il faut bien faire des combats sur la plage aussi. Efficace. Pourquoi est-ce que j'ai encore oublié de décaler de 2 pour... Vas-y, vas-y, mets le lien. Mais j'ai pas encore eu besoin de bloquer les liens, donc les liens sont toujours acceptés. J'essaye de restreindre l'expression sur le chat au minimum. Donc tant que je n'aurai pas un besoin de bloquer les liens pour cause de relous qui mettent des liens à la con, je ne bloquerai pas les liens pour cause de relous qui mettent des liens à la con. Ça manque de mouettes, on est d'accord. Encore? Là, c'est un peu ça en même temps. Hein. Je serais tenté de dire Yatsa. Rien à voir avec Yata. J'ai l'impression que j'ai la voix à moitié pétée. Oui, je comprends. Oh, puis c'est mieux parce que y a des chats où tu te fais kick pour ça. Hein. Pourquoi tu l'as. Ok, bon. Je pense que j'aurais pas dû te demander un décap et plus j'aurais demandé un bien caféiné avec double dose de caféine. Il y a Lena qui commence à avoir mal. Donc je vais soigner Lena au passage. Et voilà. C'est dingue le temps que les dragons peuvent passer en l'air. Parce combien. Bah on va aller. Mais non, fallait pas faire ça, Koala. C'est Nightbot qui s'en charge quand il y a besoin de le faire. Oui, mais le ninja, il a une skill qui est pétée. N'oublie pas, le ninja a une skill qui est pétée qui fait qu'il tape deux fois plus fort. Hein? Je lui ai donné la skill pour doubler sa puissance de frappe. Comme ça, c'est beaucoup plus drôle. Ça manque un petit peu de gens pour faire des AOE quand même, cette team. Ah, pu. Ah ouais, non mais... Ça va pas vite les sous, en fait. Chose qui me dit que c'est pas la meilleure idée de déjà suréquiper, on va déjà. Voilà, on va déjà augmenter la puissance du ninja. Et au final, faire les combats contre plein d'ennemis, ça me semble pas si con que ça. Je vais juste faire une sauvegarde au cas où il y a un truc qui se passe mal. J'ai ce qu'on pourrait qualifier d'impression. J'ai une intuition, et puis on va faire des combats dans la forêt. Hein. Notamment aussi parce que les combats sont un petit peu plus rapprochés dans la forêt, si je ne m'abuse. Donc tu vois, le ninja, il met du temps à taper.
Mais il tape plus fort. Ah, ça va quand même mieux. Totalement, les dragons, mais ils volent, ils passent leur vie à ça. Ça m'a rapporté combien en termes de sous? Ouais, c'est quand même un combat qui donne des sous, hein, mine de rien. Même s'il est un peu plus long, il donne des sous, contrairement aux autres combats. Et vu que là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des sous pour acheter du stuff. Fait tellement mal le ninja qui fait build-up. Alors je sais pas si j'utilise la danseuse au mieux de sa puissance, à l'optimum de ses capacités, mais j'ai l'intuition que ça fait quand même plus mal d'utiliser de terrain. Alors peut-être que quelqu'un qui connaît mieux le jeu peut me contredire, hein. C'est vrai que je sens pas trop l'utilité d'utiliser la danse à l'heure actuelle. Oh putain. J'aime pas les back attack. Ça, c'est quand même des attaques de back row qui font mal, hein. Oui, on avait compris. Enfin, j'avais compris personnellement. Je n'avais juste pas relevé parce que je relève pas toutes les blagues. Mais j'avais compris. Donc. Ah, un combat qui est bien. Je sais pas si, si le dragon ne serait pas plus efficace à pas sauter. Bobo, faudra régénérer un peu après ce combat. On régène beaucoup après ce combat. Alors attends, je vais faire un truc encore moins con avec le dragoon. Hein. Voilà. Et puis on va les régénérer parce que moins de 100 MP, ça fait que c'est l'heure de régène. J'ai pas envie de tomber à out FMP et crever bêtement à cause d'une connerie. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui peut s'entendre. Pareil, hein, on va aller s'acheter des armes.
On va continuer à acheter des armes. C'est un truc de monk qui sert à doubler la puissance d'attaque, mais tu mets plus longtemps à attaquer. Ah, je peux encore en acheter qu'un. Bah, dis donc, c'est cher ce truc. Voilà. On va péter le ninja un petit peu plus, hein. Alors, je sais que c'est un petit peu chiant. C'est pour ça que j'essaie d'animer un peu, hein. Mais en même temps, il faut en passer par là. Voilà, on peut faire ça. Ce sera totalement plus OP. Celui-là, il fait mal. Et après, on a le dragoon. Qui fait mal aussi. Ce qui simplifie les combats, mine de rien. C'est une bonne idée, le thé, quoi, là. Le thé, c'est bon. Boivez-en. Boivez du thé. T1 Rock You, totalement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas passé, celle-là, d'ailleurs. Je sais ce que je passerai en première chanson demain après-midi. Ça, c'était un combat de merde. Combat qui rapporte que dalle. Là, c'est un combat qui rapporte des sous. J'aime les combats qui rapportent des sous. Surtout quand ils le font bien, il faudra que je soigne deux persos après ce combat. Je vais en profiter pour tous les soigner, hein. Le build-up n'a pas été d'une efficacité hallucinante. Il n'y en a même pas un qui est mort. Je suis là. Non, il n'y a pas 10 mois par rue, heureusement, ça ferait beaucoup. Je suis là, coucou, je suis là, j'ai pas disparu. Puis moi je suis en train de négocier un TARDIS à ce moment-là. Si j'avais été enlevé par les extraterrestres, je te garantis que je négocie un TARDIS. Je sais que sur FF14, je sais que jouer White Mage, vaguement Black Mage. Par contre, je sais pas du tout jouer les deux autres classes magiques. La vérité peut être souvent dans le refresh, notamment sur Twitch, en effet. Je confirme, ça t'est tête fait. Ok, mais en fait, toi, tu veux trop mourir. Ils se prennent pour un émulateur Mega Drive à faire fusion. Je me cache.
Alors, il y a quelqu'un qui a appris une nouvelle skill. Ah, bah ça doit être l'autre là qui a tout en bas qui a appris first attack. D'ailleurs, j'en suis où en termes de magie? J'en suis à ça peut encore durer un peu, donc je vais encore durer un peu en magie. Non, moi je reste sur le TARDIS, hein, je veux un truc pété. Là, je peux faire terrain. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas fait dev sur le bon. C'est pas grave, ça marche. Alors, elle a obtenu la compétence flirt. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais lui laisser terrain pour l'instant. Si quelqu'un peut me dire ce que ça fait, ce flirt. C'est bien un truc de dancer, ça, flirt. Essayez un refresh, quoi, là. Elle m'entend pas en même temps. Oh, le ninja, il est pas bien. Il est fatigué, le ninja. Il y a des risques non négligeables de décès. C'est aussi une solution, ça, Fantasma. Insulter le PC en C... Insulter le PC en C++ peut fonctionner. On relance le navigateur, peut-être. Des fois, il ne faut pas avoir peur des solutions radicales. Ou des solutions radégoût non plus. Hein. Vu ce qui me reste et vu le coup, régène. PNJ de caca. D'ailleurs, il faudra que je pense à préparer la partie de jeu de rôle de samedi, ça me fait penser. Ça pourrait être une idée. C'est un magnifique navigateur, Fireworks. Coucou The Seal, comment ça va? Alors, je peux aller prendre ça. Je peux pas le payer ça tout de suite. Donc je vais retourner farmer, me payer ça. Et puis après, je continuerai à payer la fin ici. À m'acheter la fin du bordel. On va quand même faire une save. C'est tellement magnifique les sessions farm dans les RPG. En même temps, j'aurais besoin de farmer beaucoup moins si je vous laissais pas choisir les classes que je joue. Mais ça serait beaucoup moins drôle. Donc je préfère farmer et faire un truc drôle où vous choisissez les classes. Je trouve ça beaucoup plus sympathique.
Oh là là, mais quelle simulation d'émulateur ce mob. Sérieux. Tellement pété. Voilà, à la fin de cette session, je remets en jeu l'équipe. Full Ninja, ça peut être gérable. Full Berserk, beaucoup moins. Je vais économiser des MP. C'est économiser les MP, voilà, c'est bon. Les MP ont été économisés, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mon problème, c'est surtout garder des MP sur le mage. Vu que c'est le seul à faire de l'AOE correct. Toujours pas de mort. Hein. Vous allez vous mettre d'accord pour me pourrir la vie en fait. C'est ça? Parce que méfie-toi, ça pourrait marcher avec les zozos qu'on a là. Hein. Avec tout le respect du terme zozo. Hein. Mais ça pourrait totalement marcher. Je vous fais totalement confiance pour être pour vous mettre d'accord pour me faire une team full berserk ou full ninja. Hein. Là-dessus, pas de problème. Je sais que vous en êtes capable. Je dis juste que ça risque de pas survivre au premier combat, tout ça. J'attends de voir ce que fait le suivant quand même. Ok, je vais pas le voir. Même pas encore réglé, hein. Il me reste encore une centaine de MP. On va encore pouvoir farmer un petit peu avec. En plus, il y a des trucs qui coûtent tellement cher dans cette... Dans cette ville. Des trucs qui sont totalement hors de prix.
J'ai pas vraiment intérêt à faire ça. Autant conserver des MP pour faire plus de combats. Tellement mal les ninjas. De toute façon, les ninjas, c'est classe et c'est pété. C'est une règle de base du ninja. Être classe et être pété. Putain. Et je l'ai encore fait. Faut que j'arrête d'inverser le dragoon et le white mage. Hein. Ça me fait perdre du temps. Donc, ma chère Koala, l'image est-elle revenue? Oh, bah, des câlins, du coup. Est-ce combien, là, du coup? Reste de quoi faire un combat. Allons faire le combat. Quand même un qui est mort, c'est cool. Donc j'ai deux personnages qui se marrent. Donc on va aller à l'auberge. Encore, hein. C'est tellement in d'aller à l'auberge. Et donc, les gens, avant que j'aille me stuffer, avant que j'aille dépenser mes sous-sous lourdement gagnés à coup de farming, je vais donc remettre les classes en jeu. Donc voilà la liste des classes, et voilà. Tisha, es-tu là? C'est à toi de choisir! Tisha Nightbot, t'as choisi pour désigner la classe de Pharis. Je compte donc sur ton choix judicieux et éclairé. Gros bisous, Koala, bonne nuit. Repose-toi bien. Tu passes le message, puce? Allez Tisha, non, Mewe, c'est pas un choix. Samouraï, Pizza Cats. Les chats volants. Toujours présents, les samouraïs Pizza Cats. Donc... Le suivant. Bah, Tisha encore. Tiens, Naibot t'aime bien ce soir, Tisha.
Choisis le job de Lena judicieusement. Ouais, pas facile de trouver la saison 2. Pas mal d'épisodes qui sont pas faciles à trouver d'ailleurs. Donc, petit chat, c'est ton corps à toi. Mystic Knight. C'est où le Mystic Knight? C'est là. Eh, mais j'ai oublié les archers, non? Non, c'est bon, je l'ai mis. Alors. Faisons dans le subtil. Le suivant! Pupus, à toi! Tu veux que je remette la liste? Oui, je veux bien. C'est bon, c'est pas la peine. Ouais, attends, je la remets quand même. Donc là, on a quoi pour l'instant? Donc pour l'instant, on a un samouraï et un Mystic Knight. Non, j'ai des sorts offensifs bleus, donc je vais mettre white. Et enfin, Sinaël. Choisis donc le troisième personnage, le troisième job. Et tu vois, pour choisir l'équipe en entier, fallait faire comme Sinaël, fallait être là tout au début. Princesse, es-tu là? Il suffit que je t'appelle et tu arrives. C'est cool. Red Mage, le fromage blanc. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je pense que je vais lui donner. Oh, bah, je vais lui donner ça. Totalement pété de lui donner ça. La paperasse est tellement passionnant. Alors, on va faire comme ça. Mais en même temps, une fois que ce sera fait, tu seras content que ce sera réglé jusqu'au mois prochain. Donc, ça j'en ai 4. Ça j'en ai pas. Tu en prendras. Ça j'en ai pas. Donc je vais en prendre un.
Donc on va sauvegarder au cas où. Alors c'est l'histoire d'un gnome, il rentre dans un café et plouf. Voilà, c'était une histoire drôle ou pas. C'était une histoire drôle ou pas. Voilà, c'est totalement ça. Ah merde. Pas cool le Red Mage. Attends, je peux faire un héros. Je peux faire mal à héros. Non. Ça fait pas mal à héros. Ça marche aussi. Alors, est-ce que j'ai une autre chose du genre black? J'ai pas black, mais je peux lui mettre white. Terrain. Jiku. Je vais lui mettre Jiku, hein. Cyberploup, magnifique! Oh, j'adore! Oh, merci, princesse! J'adore cette blague! Re-seal. Ah oui, Jiku, c'est ça! Ouais, mais du coup, ça sert à rien. Bon, bah, tape. Je pensais que c'était la magie bleue, mais non, la magie bleue, c'est blue. Alors, héros 2, qu'est-ce que ça fait? C'est déjà mieux. Alors, là j'ai peur que ce soit compliqué. Pas terrible comme dégâts. Hein. Par contre, Aquabresse, ça fait mal, peut-être. Mais c'est vrai que ça les soigne. Ah bah Aquabresse, c'est cool. N'empêche que dans un sens, le trainer, c'est un petit peu un fromage bleu. Vous avez le droit d'ignorer cette blague. Ah! Il fallait que ça monte au cerveau. Mon cerveau a du mal des fois. J'ai le cerveau lent. Attends. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire. Parce que Jiku, ça m'aide pas des masses, vu qu'en plus c'est que niveau 1. Je vais lui donner build-up. On va le mettre là. Ah, bah, c'est pas moi qui va tapoter avec lui, donc ça c'est sûr. Hein. J'ai les mains sur le pad. Et il y a le fromage blanc qui est en train de se faire laminer l'anus. Avec du gros sel à ce niveau-là. Je sais pas, les mobs ont dû te dire non, on n'aime pas le fromage blanc. Mais tu vois, le mage, il fait mal.
souvent ça va avoir plein de popos. Ça c'est cool. J'ai pas compris. Une attaque à 1000, c'est franchement pas dégueu. Tellement mal quand ils s'y mettent. Pendant que les chats se battent dans les escaliers parce que c'est beaucoup plus drôle. Putain, mais elles font de ces boucans. Sérieux, c'est impressionnant. Ah, il y a déjà plus assez de MP. Ça coûte cher à quoi, Bress. C'est cool, mais ça coûte cher. Bah donc, du coup... J'en sais rien, le seul que j'ai connu IRL était un gros porc, en fait. Enfin, je dis ça, j'en ai peut-être connu d'autres. Mais au sens crade et gras du terme, en fait. Donc on est toujours à se stuffer, hein. Alors ça c'est bon. Ça faut que j'en achète. Je peux en acheter qu'un pour l'instant. J'en ai déjà un. Et ça c'est cool. Attends, lui, je peux peut-être lui filer un truc qui va augmenter sa magie. 48. Je peux lui donner un truc qui monte sa magie à 48, c'est pas con. Loul. Et en plus, tu m'avais dit. J'ai quand même un perso qui dépasse les 1000 HP. Voilà, c'est efficace et pas cher. Du coup, j'ai pas lui en faire lancer un deuxième, ce serait con. Non, j'ai pas lui en faire lancer un deuxième maintenant non plus. Voilà, la mandale à 1000. Ça vend du rêve. Note de frais. Allez, courage, pupus.
Mais c'est Mimi les cheveux blancs. Donc c'est pas grave. Un peu plus. Un petit cure 2. Heureusement qu'il rapporte des sous, hein. Il rapporte pas des masses de sous par rapport à la quantité de MP que je dépense. J'aimerais bien faire autre chose que juste farmer sur cette session, ce serait cool. Bon, je farmerai le temps nécessaire. Ah là là, ça fait du bien de dire ça quand même. Ah, le bon côté, c'est que là du coup, je peux préserver les MP de mon mage pour juste faire des PS. Il y a encore le mage rouge qui va se faire démonter la tronche. Ça fait tellement mal. C'est tellement le mage rouge qui s'en prend tout le temps plein la tronche. Pour en revenir sur les matchs, c'est vrai que les matchs c'est quand même assez pété à haut niveau dans les Final Fantasy. Les matchs à haut niveau c'est tout le temps tellement craqué. Alors il me reste de quoi faire un combat, deux combats. Ben, c'est cool tout ça. On va encore faire les deux combats. Alors, qui me parle pour me dire quoi? Bon, tu me dis s'il y a des trucs importants qui se disent sur le truc du stream FR, princesse. Que comme là, je suis en train de streamer, c'est un peu compliqué de suivre. Il est déjà à moitié mort, le mage rouge. Sérieux, pourquoi est-ce qu'ils se font tout le temps tuer comme ça, les mages rouges? Le jeu en a contre les mages rouges, hein. Ce jeu et les mages rouges. D'accord. J'ai dit qu'il me reste encore un combat. J'espère que c'est pas trop chiant de me voir farmer, hein. Ah bah non, il me reste plus de combat. C'est Balou.
Et puis ça, c'est les autres qui répondent, je suppose, du coup. Il y en a trois qui se préparent à taper, bon, ça devrait le faire. Non, voilà. Voilà. On va aller à l'auberge. Avec un fromage blanc tout moisi. Enfin, tout mort. La question est, est-ce qu'un fromage blanc moisi, ça fait un fromage bleu? Voilà. J'y tiens, mes fromages. Pas moi. Ah bah d'ailleurs, Roar, c'est samedi la semaine prochaine en multi. Donc je vais voir qui veut venir jouer avec moi en multi. Mais l'idée, c'est que samedi de la semaine prochaine, ce sera du Roar en multi. Alors... Ça, c'est juste tellement chiant d'acheter des armes. En tant qu'à faire. Autant finir celle-là. quarante-huit, c'est mieux. On n'enlèvera pas que 48, c'est mieux que 47. En fait, le problème, c'est que si j'achète pas le stuff là maintenant, que j'avance la semaine prochaine, quand vous allez choisir le truc, je serai mal stuffé par rapport à ce qu'il me faut. C'est ça qui est chiant, en fait. Une cent, ça fait mal. Ah si, je vois malheureusement leur passé. Ah, tu parles de Minecraft. Il semblerait que ce soit un effet habituel de Minecraft, en effet, de ne pas voir leur passé. Pourquoi est-ce que ces mobs détestent le mage rouge ? Il déteste le mage bleu tout pareil en même temps. Les mobilettes, putain. Magnifique, magnifique. La quoi, bref, c'est tellement pété.
Par contre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ça se fait que le samouraï est aussi long. Il est lent, quoi. C'est, j'ai l'impression que c'est un des persos les plus longs que j'ai dans mon équipe. Yep. Merde, j'ai fait attaquer le... Ou pas. C'est bon. Bon, là, au moins ça va, c'est un combat qui est rapide et assez pépère. Il est plus rapide que ce qu'il a été avant. Ah là là, ces gens qui jouent à Minecraft et qui ont de l'inspiration. Vous savez que l'inspiration, c'est un truc que je n'ai pas. J'ai jamais d'inspiration. Toujours le mage rouge qui prend. Ah non, j'ai rien dit. Pour une fois, c'est pas le mage rouge. Allez, on va y arriver. Vous allez vous faire un groupe de gens qui écrivent sur ce chat. Ça me semble une bonne idée. Vous allez vous motiver entre vous. En termes de sous, putain, ça monte tellement pas vite. Ça va tellement pas vite, le pognon. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai juste vu des dégâts d'éant. Là, j'avoue, j'ai pas compris. Il y a le samouraï qui a sorti un truc de je sais pas où. C'était juste totalement délirant. Bah écoute, tu me pousses ça. Bah tout est sur mon DD, on verra après. Ouais bah oui, j'en occuperai après. Par contre, j'en ai marre de ce combat. Bah ça peut durer longtemps en même temps avec ce combat là uniquement. Mais il rapporte combien de sous? Il rapporte tellement rien.
Oh super, de l'éther, ça c'est cool de drop de l'éther. Parce que de mémoire, les éthers coûtent plus cher que des fringues de luxe Galerie Lafayette. Sérieux, les éthers ça coûte la peau du cul dans ce jeu. C'est des prix juste totalement débiles. Oh, le PC des fois il en... Ok. Bah écoute, bon risk of rain. Ils aiment le Red Mage, hein. Ils l'adorent le Red Mage, ces mobs. Bah du coup j'ai retourné ici hein. Alors. Raison de plus pour que tu joues à Minecraft, ça animera. Mais si. Mais si, je te dis que ça animera. Ah, putain de PNJ. Mais arrêtez de vous foutre sur mon chemin, les PNJ. Alors, je sais pas pourquoi je commence à avoir des drops comme ça de frame. Enfin, de FPS. C'est PC qu'on peut plus. Alors, de toute façon, ça revient tout à peu près au même. On va dire que ça, au pire, je peux assurer. Lui, je peux équiper autre chose. Lui, non. Faut en mettre que deux. Je vais vous faire confiance pour pas trop me troller, en fait. Parce que j'en ai juste marre de farmer. Je vais quand même faire ma save. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça, quand on va, quand je vais avancer, je vais avoir des persos un petit peu over level. Ça, c'est le bon côté. Mais putain, qu'est-ce que c'est? Oh non. Pas ce combat là en back attack. Sérieux. Pas ça. Je le sens tellement magiquement pas, quoi. Fait mal. Fait très mal. Et après, c'est le stuff défensif qui restera à acheter. Ça aussi, ça va être long.
Tellement pas, pas passionnant les sessions farming. Non, ça sera quand même pratique d'acheter du stuff défensif. Hein. C'est tellement puissant à Aquabress. Allez, un peu de courage. J'ai juste les yeux qui sont en train de se fermer en fait. Il peut aller sans reproche. Putain, c'est vrai que j'ai tellement les yeux, j'ai vraiment les yeux qui sont en train de se fermer tout seul, c'est grave. Il va falloir un petit peu d'action dans tout ça parce que. Et merde, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? On va dire que c'est la faute aux yeux qui se ferment. Putain, ça l'a même pas tué en plus. Alors. Il m'en reste qu'un. Bon, je vais aller voir combien coûte le stuff défensif. Hein. Il faut juste qu'il me reste 40 après. Donc. Putain, c'est encore des trucs totalement hors de prix. Vous savez quoi? J'ai envie de dire. Surtout qu'en plus, on va le retrouver à plusieurs endroits, ce stuff. J'ai envie de dire que je farmerai un peu plus tard, que là, je vais avancer dans le scénar. Voilà, on va avancer un petit peu dans le scénar, ça ne fera pas de mal. Histoire de dire qu'on n'aura pas fait que farmer. Non. Farmer c'est bien, mais à un moment c'est lassant. Bon, je pense que là j'ai suffisamment farmé quand même en termes de level. Il est temps de passer à autre chose. Oh mon dieu, un château bizarre. Je me fais juste attaquer juste devant moi par un poulpe et des cochons. S'ils sont trop à faire build up, normalement ça devrait aller. Ah non, c'est quand même solide ce poulpe. Il y a Zeusil qui s'est inscrite sur Cosyclic. Nina, elle fait ça.
On va save ici. Donc on rentre dans un château étrange. Étrange et mystérieux. Et vide. L'écran de Shepard est aussi en train de s'inscrire. Avec des mobs dedans. Des mobs qui font mal. Des mobs qui font très mal et qui ont beaucoup de défense. Vous le sentez venir? Vous le voyez poindre? Ça sent le game over. Ça pue le game over tout ça. Un forum d'écriture fantasma. Bon, ces gens bizarres qui ont de l'inspiration pour écrire des machins. Oh, ça sent, ouais. Ah, c'est là j'essaie juste de fuir. Le dragon est beaucoup trop fusant pour moi. Hein. Vous voyez le temps depuis lequel j'essaie de fuir, je ne peux pas fuir ce dragon. Voilà. Voilà, voilà. Bah, rip run, hein. Eh, hey, mais vous savez ce que ça veut dire, le riprun? Ça veut dire que c'est à vous de choisir la nouvelle équipe. Donc je vous remets la liste des équipes, des classes. Et donc... Grand Shepard, à toi de choisir. Ah, c'était prévisible, hein. Voilà un peu ce qu'il raconte pendant ce temps. Donc, Grand Shepard, je t'ai choisi la classe. Grand Shepard, on t'appelle. Nightbot t'appelle, le destin t'appelle. Le monde t'appelle. Ninja. Totalement build up. Alors... Oups. Et le suivant, Fantasma, à toi. Mystic Knight. Il est où le Mystic Knight? Il est là. On va encore faire ça, hein. Syl, à toi.
Barde. Je sais même pas comment ça se joue. Ça va être l'occasion d'apprendre. Hein. Bon, quelque chose qui me dit que... une intuition... Même pas terrain. Sérieux, t'as même pas terrain. Ouais, bah, vaut mieux que je mette celui-là. Hein. Et enfin... Fantasme à nouveau. Fantasma est appelé. Le destin appelle Fantasma Theme Wizard. C'est parti. Pas besoin de le dire deux fois. C'est encore pire. J'ai plutôt intérêt à faire ça. Cette team de l'enfer que vous me faites. Allez, c'est parti. Je pense que ça fait bon, on va lancer. Quelle musique du swag. En fait, le time mage au level, il y a un truc totalement pété. Mais tant qu'on l'a pas, ben... Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça vaut, en fait, time mage. Le barde est génial, d'accord. Pour l'instant, je sais pas trop ce que font ces skills. Hein. J'ai pas d'autres chansons. Il continue à coup de vitale son, mais je sais pas trop ce que ça fait. Bah là, j'ai que vitale song. Hein. J'ai dû en manquer une. Ah non, j'ai que la live song pour l'instant. J'ai dû manquer quelque chose pour avoir une chanson. J'ai dû oublier d'utiliser un piano. Ouais, des moogles. Coupo. J'ai trop envie de me prendre la peluche de moogle de FF14. Envie. Il est trop choupi. Ça va barder totalement.
Alors, j'ai une mauvaise intuition. Mais tout le monde croit tout le temps que ces barbes c'est de la merde, mais en fait non. Oh, des mugaliteurs. Ils sont méchants, eux. Mais c'est des poulpes, je veux pas les taper, c'est gentil les poulpes. Ça fait quoi Vital Song au fait? Ah, c'est peut-être ça que j'ai oublié. C'est peut-être ça que j'ai fait qu'une fois. J'ai dû rejouer d'un piano après lui avoir parlé, après être tombé dessus. Je ne vois pas d'autre explication. Ouf, j'aime pas quand je suis en back attack. J'aime pas du tout la back attack comme elle a la tronche qu'elle fait. J'aime pas du tout ça. Non, là je suis pas. Voilà, je suis pas safe. Là, le bard il va surtout lancer un cure 2. Sur tout le monde. Ça n'a pas fait le deuxième effet, ça c'est con. Il y aura un cure 2 ici. Ah non, mais j'aime pas me faire... Ça doit être celle-là. C'est la première qu'on apprend. Parce que si c'est la première, c'est celle-là, hein, y a pas de doute. Donc une araignée est en train de gentiment descendre sur mon écran. En gros, pour l'araignée. Tu me gênes pour voir mon écran. Un truc à ramasser là-bas, ce serait dommage de pas le faire. Donc il y a des slimes. Tout le temps des slimes. Bah, je sais pas, ça le fait sur moi. C'est un truc qui suit sur mon équipe, donc je sais pas du tout. Je vais aller voir en haut ce que ça m'emmène. Encore des mugaliteurs. Mais tapez pas les mugles, ils sont gentils, merde. Bien c'est vrai que cette version manque de manque d'explications sur ce que font les trucs. Ça fait mal par contre. One step battle. Comme d'hab, hein, je me tape tout le temps des one step, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les one step m'aiment beaucoup. C'est con que ce soit pas le bon qui a été confusionné. On va essayer de garder tout le monde en vie.
Alors c'est le moment de lancer l'électroménager. Faudra trop que je me fasse un motisma avec Whirlpool dans Pokémon. Faudra vraiment que je le fasse. Non, vous pensez pas? Un motisma qui s'appelle Whirlpool? Non, avec l'attaque Whirlpool. Je l'appelle électroménager du coup. Parce que c'est motisma Whirlpool électroménager quoi. Non, c'est gentil les araignées. Les araignées, ça pue. Elle était toute petite, puis elle a fait de mal à personne, puis elle était gentille. Les araignées n'ont pas de cerveau, heureusement qu'elles ont des biberons. Des? Les araignées n'ont pas de cerveau, mais elles ont des biberons. Ok. En fait, les deux chemins étaient bons. Ok, bon, je pense qu'il est temps de soigner des gens. Je pense qu'il est temps de soigner tout le monde. Ça fait mal. Stalactite, ça fait tellement mal comme attaque. Phoenix down. Ouais, bon, c'est bien les Phoenix down, surtout vu le prix que ça coûte. J'ai tellement d'items comme ça dans le jeu qui coûtent un prix totalement débile. Continuer à healer des mondes et il est du monde hein. Non mais je voulais faire un régène avant. C'est bon, je peux. J'ai le droit. Alors, on va faire ça. Attends, je peux peut-être avoir un truc un peu plus OP. Plus OP que build-up, j'ai des doutes. Lance-lap, ça fait quoi ?